train de débarquer les véhicules et les troupes de l'armée de terre, donc du GTE, du groupe tactique embarqué. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est que les véhicules, ils les font sortir et ils les font descendre au radier qui est au pont en dessous, par la rampe qui est juste là, et on va y aller après, comme ça vous allez voir. La présence permanente d'un navire français dans le golfe de Guinée aux côtés des pays riverains nous permet de donner une réponse collective aux menaces maritimes qui sont devenues complexes et transfrontalières. Donc nous, militaires français, on la connaît assez peu et on est ravis d'avoir des militaires ivoiriens, donc des marins, des Fumaco et également des troupes de l'armée de terre pour pouvoir nous aider à mieux manœuvrer sur le terrain qui connaissent beaucoup mieux que nous.